Bah, c'est ce que j'ai dit hier à mon discours avec les diplomates. C'est vraiment c'est de rester curieux, de travailler dur et d'être flexible parce que la direction qu'on prend au début, c'est peut-être pas la direction à laquelle on finit. Et ça c'est bien. Et de continuer le rêve. Et puis aussi d'avoir de faire que la vie a beaucoup de choses intéressantes. Il faut enjoy life. C'est vraiment le 4 octobre au matin, à 5 h du matin, que j'ai reçu le coup de téléphone. Et avant ça, j'étais plutôt inconnu, sauf en sciences. Et soudain, comme un coup de foudre, je suis devenu une petite célébrité. Me voilà ici, entouré de journalistes. Et il y a 6 mois, j'aurais pas pensé que ça se passerait comme ça. Mais je crois que le prix Nobel aussi me donne une responsabilité d'aller dans d'autres pays, par exemple la Tunisie, Vous pourriez. pour donner de l'espoir aux jeunes.